Je suis Juliette Halimi, je suis Wikimédienne en résidence à l'Urfist de Rennes depuis février 2023. J'ai un parcours orienté plutôt bibliothèque puisque j'ai exercé auparavant au SCD de l'Université Rennes 2 au service de recherche et donc j'étais chargée de valorisation de la recherche. Alors au niveau des missions que j'ai exercées cette année à l'Urfist, je dirais qu'elles se répartissaient à peu près en trois grands axes. Tout d'abord un axe de formation, et donc au-delà de cet axe de formation, il y a eu aussi un axe important de cette mission, de cette résidence, qui a été de produire des ressources pédagogiques pour laisser, on va dire, une trace derrière nous. Et il y a un troisième axe qui était important, qui était de se faire connaître, de valoriser les missions de la résidence. J'organise un atelier de contribution à Wikipédia. C'est demander aux gens de venir se regrouper ensemble pour contribuer au projet Wikipédia. Cet atelier est organisé dans le cadre de la campagne One Lib One Ref 2024. Le principe de One Lib One Ref, c'est de demander en particulier aux bibliothécaires et aux professionnels de l'information de venir compléter et contribuer à Wikipédia en renseignant des sources fiables sur les pages de leur choix. J'ai trouvé ça très très intéressant de pouvoir créer un réseau autour des questions de Wikimédia et de la recherche. C'est ce qu'on a fait en créant avec les deux autres Wikimédia en résidence, les Wikicafés, qui sont donc un rendez-vous bimensuel qui permettait de discuter, d'avoir des rendez-vous un petit peu informels entre chercheurs, communautés universitaires, personnel de l'IST. Pour l'instant, on a fait le choix vraiment de l'acculturation aux outils Wikimédia, quitte à former très large et on va dire à un niveau plutôt débutant. Ce serait intéressant de proposer aussi des choses peut-être plus orientées, approfondies, et accompagnement vraiment personnalisé à des projets de recherche avec les outils Wikimédia. Je pense qu'il y a un vrai besoin, un vrai désir de travailler avec les outils Wikimédia au sein de l'université et que donc ces résidences sont vraiment très utiles pour toute la communauté universitaire.